my hamstring butt is just locked up, so every step is kind of on the right side, it's kind of excruciating. The mountains are so steep. It's beyond my imagination. À partir de 80 km, 50% du travail peut-être est mental. Le corps physique est capable de tout accepter. C'est la tête qui commande. Ça peut être exceptionnel, ça peut changer l'aspect d'une course de travailler son mental. Une composante de la performance qui est souvent occultée par les coureurs, c'est la dimension mentale. Les trailers se préoccupent beaucoup de leur préparation physique, technique, de ce qu'ils vont manger, des choses comme ça, et peu finalement se préoccupent du mental et de travailler le mental avant une compétition. J'ai participé 4 fois à la CCC et j'ai appris au fur et à mesure qu'il y avait quand même une composante mentale qui était extrêmement importante. Technique mentale que j'ai développée, surtout pour l'ultra, parce qu'il en faut bien, effectivement. C'est plus lié au terrain, à l'expérience, et finalement c'est venu un peu avec le temps, découverte, course après course, finalement, tu te construis gentiment. C'est vraiment un toboggan l'ultra, c'est un peu comme la vie, hein, il y a des hauts et des bas. Il faut se relever, et puis il y a des moments d'euphorie qu'il faut gérer aussi. Là, le mental a une énorme importance. Moi, j'ai réussi à ce qu'on appelle dépasser ses limites. Et c'est cette barrière psychologique qu'on se donne et voilà, la préparation mentale m'a permis justement de passer le cap. La préparation mentale en soi, c'est justement ces moments de réflexion qu'on va avoir. La dimension mentale, elle commence déjà par une phrase de Socrate qui est « connais-toi toi-même ». Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas connaître tes points forts et tes points faibles et donc mentalement tu es faible. C'est comme s'il y avait un genre de gradient, on évoluait petit à petit, tac, je passe une marche, j'évolue, encore une fois, encore une fois. L'UTMB, c'est clairement aujourd'hui une course qui fait rêver. Pourquoi cette course? Qu'est-ce que le coureur veut chercher en allant participer à cette course? Qu'est-ce que la course signifie? Quel sens elle a pour lui? C'est important de formaliser son projet, de le verbaliser et surtout de l'écrire, de s'engager auprès de soi-même. Alors moi, en 2014, j'avais basé tout mon UTMB que sur moi. Mais dans un premier temps, j'avais surtout la volonté d'être capable de dire « je rends quelque chose de propre, je ne serai pas déçu en franchissant la ligne d'arrivée ». 3 paramètres fondamentaux dans l'approche mentale d'une compétition comme l'UTMB. La connaissance de soi, s'approprier, singulariser sa méthode d'entraînement. Et puis après, rester dans sa bulle et rester focus sur ses buts de maîtrise le jour J. Et donc, on va mettre en place plein de petits exercices, de petits ateliers, de petites routines pour que l'incertitude, elle se dilue et qu'on ait des certitudes qui se fixent. Et c'est comme ça que mentalement, on sera fort. Anticiper les problèmes. Dans un UTMB, il peut arriver de tout. À la visualisation du parcours de la course, se voir courir sur l'événement, mais surtout reprendre des éléments positifs d'autres courses qui se sont bien passées. Le fait d'avoir toute cette préparation mentale, on anticipe beaucoup de choses et on essaie d'éliminer un peu cet aléatoire. Maintenant, j'arrive sur une ligne de départ, j'ai plus du tout de stress. Un ultra, c'est une aventure intérieure. C'est une introspection, c'est vraiment un sport qui permet de nous connaître à l'intérieur, d'aller vraiment au plus profond de nous-mêmes et d'aller rechercher des ressources insoupçonnées et qui nous permettent vraiment de grandir, de se connaître de mieux en mieux. Soyez le centre du monde de l'UTMB. Ne partez pas de la finalité l'UTMB avec toute cette masse, avec tous les coureurs qui vous racontent des tas de trucs. Partez de vous. Il n'y a que vous et personne d'autre qui sera capable de vous emmener à la ligne d'arrivée. On ne sort pas indemne de ce genre d'expérience. Et je sais que je finis un UTMB différent de l'état dans lequel j'étais au départ parce que vous savez, c'est incroyable tout ce qu'on apprend sur soi-même, c'est une introspection et
C'est ce qui rend parfois fabuleux ce type d'expérience. C'est ce pourquoi j'ai énormément d'intérêt dans la préparation mentale. Il n'y a pas de limite.